s'appelle Yasmina et Dounia, on est la team 16 des Honeybees. On est heureuse, on a gagné Sahraouia, on s'y attendait pas du tout. On est hyper émus, on est ravis, on est fiers, on est honorés. On n'a pas de mots pour décrire cette joie. On s'est tellement dépassé pendant ces 5 jours. C'était des conditions pas évidentes, il y avait beaucoup de vent, du sable, j'étais blessée. Et on avait un mental d'acier, on a vraiment tout donné, on voulait absolument gagner. Mais on a surtout vécu des moments magiques avec toutes les femmes extraordinaires de Sahraouia, une organisation magnifique. C'était super. Et moi, je voudrais remercier nos familles qui nous ont soutenus tout au long de la préparation de la Sahraouia. Ce n'était pas toujours évident, ça a demandé beaucoup de préparation. Et je voudrais dédier cette Sahraouia à une amie qui est chère, qui se bat actuellement contre un cancer du sein. Et je sais que c'est une battante, c'est une femme qui sera une Sahraouia, Inch'Allah, un jour. Et je lui ai promis que plus tard, je la coacherai pour qu'elle soit Sahraouia. Je lui dédie cette victoire. On est super contente pour ce beau résultat. On ne s'y attendait pas. On voulait simplement qu'il y ait une équipe marocaine sur le podium. Et au final, on se retrouve à être 3 équipes marocaines sur le podium, malgré le fait qu'il y ait des stars internationales, des athlètes qui font des ultra-trails, des choses comme ça. Nous, c'est notre premier raid et on est super fiers du résultat. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est vraiment important que la femme marocaine s'autorise à avoir des objectifs à se fixer, des rêves, et d'y aller, de se dépasser parce que c'est possible. Un petit merci et clin d'œil à Justine qui nous a donné un grand coup de booster hier. Et merci à toute l'équipe française. Franchement, c'était une super motivation. حنا فرحانين بزاف لاحتلالنا المرتبه الثالثه في المسابقه ديال الصحراويه و كنشكر الصحراويات على المنافسه روح التضامن والتحفيز اللي بيناتنا وكنشكر السبونسور ديالي انتيلسيا كنشكر لورغانيزاسيون ديال الصحراويه شكرا.